est maintenant sur le stand de Capcom pour voir le jeu le plus attendu, enfin pas exactement le jeu, la console, parce que c'est le seul endroit au monde où on peut jouer à la New 3DS. Alors Pouillot, tu as eu la chance d'y jouer, tu as couru comme un ouf sur le stand pour tu as bousculé des japonais. Exactement, pour pouvoir, dégager, je suis le gaijin, voilà. Le gaijin rush, exactement. Et alors, donc la New 3DS, j'achète ou pas? Je me posais la question, mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as eu entre les mains, surtout pour un jeu comme Monster Hunter où tu sais la caméra est quand même très très importante, bah, c'est vrai que quand il y a le petit stick sous forme de touchpoint qui est là, trackpoint qui est là, que tu l'as en main et que tu vois vraiment la caméra bien s'orienter au doigt et à l'œil, c'est vrai que c'est quand même ça, c'est vrai que c'est un des gros problèmes pour les joueurs occidentaux, c'est la caméra dans Monster Hunter. Et là c'est vraiment... Là en l'occurrence c'est réglé, c'est quand même beaucoup plus facile. Déjà tu prends plus le monstre sur le coin de la gueule à chaque fois, t'as plus forcément besoin, tu sais, il y avait deux types de locks. Là finalement tu tournes la caméra, tu vois le monstre arriver dans ta gueule, donc tout ce qui est esquive, attaque, c'est quand même beaucoup plus facile. Finalement ça m'a rappelé un peu les jeux de monstres que tu as sur Vita en termes d'ergonomie. Avec les deux sticks, d'accord. Alors la deuxième question que tout le monde se pose du coup, c'est l'écran est-il beaucoup plus beau ou Franchement ouais, ça m'a fait un peu le même effet quand on était passé de la DS Lite à la DSi. Avec un écran quand même beaucoup plus lumineux. Là l'un des problèmes qu'on avait c'était la 3D, tu sais, dès que tu l'activais, si tu étais un peu sur le côté, tu voyais quand même beaucoup moins. Là il n'y a vraiment aucun souci, c'est en termes de visibilité, en termes de rendu, en termes de netteté. Et encore plus si tu joues sur la New 3DS classique, tu sais, l'écran il est au format, on va dire, normal pour la résolution de la 3DS. Oui, parce qu'il faut signaler que tu as joué aux deux. Ouais, j'ai fait la New 3DS et la New 3DS XL. Et ouais, j'ai fait la queue deux fois, mais ça tombe bien, cette année il y avait moins de queue à Monster Hunter. Et donc c'est vrai que le cœur balance, parce que Nintendo ils savent faire les choses. C'est vrai que la New Nintendo 3DS classique, non seulement tu peux changer les coques, donc tu peux la customiser et avoir Luigi, Mario, etc. Les Nintendo maniaques vont en être pour leur argent. T'as les boutons qui ont les couleurs de la Super Famicom. Et en termes de netteté, c'est encore... Alors attention, la version 3DS XL, la Nintendo 3DS est pas mal. Enfin, elle est même très très bien en termes d'écran. Mais c'est encore plus crisp, encore plus net sur une Nintendo 3DS. Donc je sens que certains Nintendo sexuels, et on en connaît, risquent d'acheter les deux. Ah ouais, carrément. Donc meilleur écran, prise en main plutôt bonne, le mini stick qui rappelle un petit peu les ThinkPad sur les ordi portables. Exactement. C'est un petit peu, t'as pas, on va dire, les picots dessus. D'accord. Il est très lisse, mais grosso modo, bon, faut y faire un petit peu au début. C'est vrai qu'il faut maintenir la pression, mais ça rentre tout de suite. T'as déjà eu un PC portable entre les mains, tu sais forcément te servir directement du C-Stick. Voilà, donc meilleur écran, meilleure prise en main, un stick en plus. Et Nintendo est suffisamment rusé en plus pour ajouter deux boutons de tranche supplémentaires qui sont relativement faciles d'accès. Mais ça veut dire que bientôt, on sait qu'il y a déjà des jeux propriétaires entre guillemets qui sont déjà prévus, notamment Xenoblade. Mais tu sens arriver au fur et à mesure les jeux Nintendo 3D spécialement conçus exclusivement pour pousser la New Nintendo 3DS. D'accord. Alors j'imagine que t'as pas eu le droit, mais est-ce que t'as pu apercevoir si la cartouche allait avoir une forme différente ou... Pas du tout, a priori les cartouches sont les mêmes parce qu'elles seront compatibles. La seule différence c'est qu'il faudra casquer pour une micro SD. D'accord. Au lieu de la SD card actuelle sur les... Ah oui, c'est micro SD uniquement. Exactement. D'accord, très bien. On te feinte. Bon, et alors sinon Monster Hunter c'était sympa parce que il était un peu dessus quand même. C'est la question piège. Voilà. Je ne suis pas un grand fan de Monster Hunter. D'accord. Comme je ne suis pas un grand fan de Halo. Est-ce que le stick te donne envie d'y jouer? Non, le deuxième stick. C'est quand même tout de suite beaucoup plus facile de prise en main et c'est ce qui me gênait à l'époque sur les Monster Hunter 4 et compagnie 3. Là, tout de suite, enfin voilà, tu vois le monstre arriver, c'est déjà quand même l'essentiel, c'est quand même beaucoup plus ergonomique. Ne serait-ce que du point de vue gameplay. Ok, donc peut-être une nouvelle chance pour l'Occident avec ce stick. En tout cas, voilà, vous l'avez vu, Pouillot est super convaincu de la New 3DS. Petite précision quand même. Oui. La New 3DS n'est pas encore annoncée en France. Ah ah. Bon, alors une console uniquement disponible au Japon le mois prochain. Un jour en France peut-être, qui sait. On l'espère. Voilà, en tout cas, merci Pouillot pour ses impressions. Et on va continuer, nous, à un petit peu explorer ce TGS plein de surprises. Merci. Eh bien, on se retrouve sur le stand Capcom de ce TGS 2014 devant Biohazard Revelations 2, alias Resident Evil, évidemment. Révélation 2. La question, c'est de savoir, après un Resident Evil 6 qui a été quand même méchamment critiqué, est-ce que toi, personnellement, Greg, ce Revelations 2 t'a redonné un peu envie? Alors, je sais qu'on n'est pas d'accord. Oui, je préserve le suspense. Voilà, on n'est pas d'accord. J'en ai parlé avec Pouillot, j'en ai parlé avec le boucher de Ginza, alias Christophe Kagotani. J'en ai parlé à beaucoup de gens et tout le jeu... Les gens ont pas trop aimé et moi bizarrement j'ai bien aimé.
Alors, il est, certes, hein, on va pas se mentir, il est pas très joli. Non. J'ai joué à la version Xbox One. Moi aussi. Elle aurait pu tourner sur 360 sans problème. D'ailleurs, je suis retourné voir si c'était pas la version 360 et effectivement. C'est la Xbox One. Ouais. C'est la manette Xbox One. Ouais. Donc voilà, c'est pas très beau, mais du coup, comme c'est pas très beau, le graphisme un peu cracra colle bien. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, on a peur. Oui. Ok, certes, c'est pas beau, mais on a peur, quoi. L'ambiance est vraiment dégueulasse. Alors, je sais pas où ça se passe. Ça doit être un espèce de, on dirait un vieux bateau un peu rouillé. Enfin, on dirait. T'as l'impression d'être dans un évier sale. C'est un asile. C'est dégueulasse. Un peu Shutter Island sur les bords. Les mecs qui t'attaquent, on dirait des clodos écorchés et tout. Enfin, c'est voilà, tu sursautes et tout. Et je dis, voilà, on a peur. C'est bien. C'est exactement ce qu'on veut. Après, on y a joué que 10 minutes, mais c'est un peu malsain parce qu'au début, il faut que tu ramasses une clé sur un cadavre. T'es là, ah, et dans paf, il tombe, ah, il s'éclate par terre. Faut que tu fasses le tour, tu passes par des endroits dégueulasses, tu vas récupérer la clé, ah bah non, ça marche pas. Et là, tu te rends compte qu'en fait, la deuxième meuf qui est là et qui, tu te dis, bah, elle sert à rien, parce que Claire, elle sait se battre, mais l'autre... C'est vrai qu'elle sert à rien quand même. Hein. En fait, l'autre, elle sert à la lampe torche. Exactement. Donc avec le bouton Y, tu passes d'un perso à l'autre. C'est un classique désormais dans Resident Evil. Donc avec Claire, tu tires, tu tapes. Et avec l'autre, bah, tu as le pied de biche. Ouais. Donc elle ouvre les portes, bon, elle peut tabasser avec les pieds de biche, mais elle a peur des armes à feu. Voilà. J'ai trouvé cette excuse complètement bidon. Non, je n'aime pas les armes à feu. Elle a un pathos à la con, je ne peux pas toucher aux armes à feu. Donc, mais bon, c'est... C'est Resident Evil. Mais elle a une barre à mine quand même, c'est pas mal. Donc elle peut frapper avec ça, et sinon elle a une lampe torche. Donc en gros, la nouveauté, c'est que tu peux trouver les indices que avec la lampe torche. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça justement très... très classe, enfin même pas classique, très... binaire quoi, il y a la meuf qui te sert à mettre en évidence ce que tu vois en plus briller à l'ancienne dans le décor et Claire qui est juste là pour le combat, j'ai trouvé ça assez... Alors moi ce que je pense c'est que on va avoir des surprises, c'est-à-dire genre tu balades dans le torche, d'un coup il y a un truc qui te saute dessus et tout et puis surtout les décors sont tellement crado, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'avoir la lampe torche justement parce que tu regardes bien, les décors sont assez... assez bien détaillé et t'es là, tu te dis merde, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, vraiment, je le trouve malsain. Et puis, il y a un autre truc qui est bien, c'est que quand t'es dans la peau de la meuf avec la lampe torche, bah, tu flippes pour ta vie en fait. Ouais, enfin, toi, t'as eu de la chance de voir les décors parce que moi, la caméra est placée tellement près de Claire et de Phil que j'ai l'impression d'avoir encore le syndrome Resident Evil 6 Vanilla avec la caméra placée dans ton cul et t'as vraiment du mal que ce soit à viser ou à voir le moindre élément qui surgirait. Moi, ça va, j'ai eu juste une fois, il y a un. Tout, grand classique, tu ouvres la porte, il y a un mec qui y arrive. Là, la caméra, elle a fait un peu. Voilà, mais c'est allé assez vite, quoi. J'ai foutu une balle à côté, mais très vite, le mec, je lui ai mis la misère et il est mort. Mais moi, j'ai pas eu de problème de caméra, bizarre. D'accord, voilà. Ok. Mais en tout cas, moi, il est pas très beau. Non. Mais on sent qu'ils ont fait un effort sur l'ambiance et le côté. Tu changes de perso, il y en a une qui est moins forte que l'autre, du coup tu flippes un peu le temps que tu cherches un indice. J'ai trouvé ça sympa. Et est-ce que tu crois que c'est une bonne chose de le vendre par épisode comme on a déjà connu par le passé avec Walking Dead? Est-ce que là tu crois que ça se justifie pour Revelations 2 de vendre ça en morceaux? Bah, le problème c'est qu'on le saura qu'une fois qu'on aura le truc en entier, parce que Resident Evil, les gens, ce qu'ils aiment dans Resident Evil, certes il y a le gameplay et tout, mais c'est, les fans de Resident Evil sont aussi attachés à l'histoire. Donc si l'histoire se tient, si ça mérite d'être en épisode, parce que t'as un super cliffhanger à la fin, genre ah, Claire elle est suspendue et oh la corde craque et ah achetez la suite les amis, là oui ça peut, faut que ce soit bien écrit, faut que ce soit malin. Ouais, tu crois ça encore de Resident Evil aujourd'hui? Il y a pas mal d'optimisme, j'ai l'impression quand même. Je suis peut-être naïf, mais ces 10 minutes m'ont donné espoir. D'accord, voilà. C'est déjà pas mal. Surtout que c'était une des rares démos jouables inédites, on va dire, du Tokyo Game Show. Exactement, voilà. Réjouissons-nous du peu qu'on a. Donc avis contrasté, good cop, bad cop, Resident Evil Revelations 2 était au TGS, c'est déjà pas si mal.